Chers élèves, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va voir des exercices de 11e année. في هذه الحلقة أعزائي الطلبة سوف نشاهد بعض التدريبات الخاصة في الصف الحادي عشر للفترة الدراسية الأولى. هذه التدريبات تكون إثرائية لكم إن شاء الله ومفيدة. فاصل قصير ونعود إليكم. Chers élèves, bonjour encore une fois. Donc aujourd'hui, on va commencer les questions d'examen. Regardez avec moi la première question. Nous avons ici la compréhension. Je vais lire. Lisez, puis trouvez le titre de chaque document. Nous avons ici document A. Je vais lire. J'aime beaucoup la pêche. Mon frère aime le sport. Il préfère jouer au football. Mes parents adorent la musique classique. Document B. Monsieur Benoît a deux enfants. Son fils s'appelle Jérôme et sa fille s'appelle Nathalie. Ils ont 14 et 16 ans. Document C. Au Koweït, il fait beau au printemps. Il y a des fleurs dans les jardins, mais en été, il fait très chaud. Document D. Je m'appelle Ali. Je suis Koweïtien. J'ai deux amis au lycée. Ahmed est syrien et Abdallah est libanais. Donc, nous avons ici quatre documents. Et nous avons des titres. Regardez, le premier titre, nationalité. Titre 2, loisirs. Titre 3, saison. Titre 4, famille. Et titre 5, adresse. Donc, nous avons ici 5 titres et 4 documents. On va lire et on va trouver le titre de chaque document. Regardez avec moi. Donc, ici, nous avons 5 titres et 4 documents. On va voir. Maintenant, le document A. J'aime beaucoup la pêche. Mon frère préfère jouer au football. Mes parents adorent la musique classique. Alors, est-ce qu'il parle des nationalités ou loisirs ou bien saison ou la famille ou il parle d'adresse? Réfléchissez. Nous avons ici j'aime beaucoup. Nous avons mon frère préfère jouer. Et nous avons ici mes parents adore. Alors, qu'est-ce que c'est? Bravo! Loisir. Donc, c'est le titre 2. Donc, loisir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez faire pendant le week-end, par exemple. Monsieur Benoît, document B. Monsieur Benoît a deux enfants. Son fils s'appelle Jérôme et sa fille s'appelle Nathalie. Ils ont 14 ans, 14 et 16 ans. Alors ici, on parle de quoi? Monsieur Benoît a deux enfants. Donc, papa, deux enfants. Son fils s'appelle Jérôme et sa fille s'appelle Nathalie. Ils ont 14 et 16 ans. Alors, il parle de quoi ici, ce document? Est-ce qu'il parle des nationalités? Non. Il parle de quoi? Réfléchissez. Très bien. Il parle de famille, de la famille, titre 4. On va écrire ici numéro 4. Regardez maintenant document C. Au Koweït, il fait beau au printemps. Il y a des fleurs dans les jardins. Mais en été, il fait très chaud. Réfléchissez bien. Au Koweït, il fait beau au printemps. Alors, on parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle de nationalité? Non. Est-ce qu'on parle d'adresse? Non. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de saison. Nous avons printemps et nous avons ici les fleurs dans les jardins. Et en été, donc printemps, été, ce sont les saisons.
Donc, on va choisir titre 3. Voilà, titre 3. Maintenant, pour le dernier document, je vais lire « Je m'appelle Jamal, je suis Koweïtien, j'ai deux amis au lycée, Ahmed est Syrien et Abdallah est Libanais. » Donc, Syrien, Libanais, Koweïtien. Nous avons ici deux titres. Il nous reste deux titres, adresse et nationalité. À votre avis, c'est quel titre? Bravo, nationalité. Donc, document D, le titre, c'est nationalité. Donc, nous avons ici cinq titres et quatre documents. Adresse, il n'y a pas de document pour le titre 5, adresse. D'accord? Et donc, ici, nous avons un adjoint. Mainhat. OK? Donc, seulement, c'est quatre titres. Donc, 2, 4, 3, 1. On continue. Maintenant, nous avons ce type de question. Associer le mot à l'image. Alors, image numéro 1, image 2, image 3 et image 4. Donc, ici, nous avons 4 images. Regardez ici maintenant. Nous avons les mots un cartable, B, une souris, C, un cahier, D, un employé, E, le printemps. Donc, nous avons cinq mots et quatre images. Regardez, un cartable. On va maintenant mettre les lettres dans le tableau. Pour l'image numéro 1, nous avons ici, regardez l'image. Il fait beau. C'est quelle saison? Est-ce que c'est l'été? Non, bravo, c'est le printemps. Donc, on va mettre ici E, le printemps. Très bien. Regardez image 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cartable, une souris, un cahier? Ou un employé. Bravo, c'est un cartable. Donc, un cartable. Donc, on va mettre la lettre A. Donc, ici, nous avons ici image 3. Regardez bien. Alors, il nous reste trois mots. Une souris, un cahier, un employé. À votre avis, c'est quel mot? Bravo, c'est un employé. Donc, on va mettre la lettre D. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une souris ou bien un cahier? Très bien, une souris. Donc, vous vous rappelez les parties de l'ordinateur? Une souris. Donc, nous avons ici un cahier. On ne va pas le mettre dans le tableau. Donc, ici, la réponse, nous avons E, A, D, B. Est-ce que c'est clair? Bravo. On va continuer. Lisez, puis remplissez la fiche d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Alors, nous avons ici un texte à lire. Je vais lire. Amel Radi a 25 ans. Elle aime le sport et le cinéma. Elle habite à Paris depuis 2 ans, à Porte de Vincennes. Elle est mariée. Elle a 3 enfants. Elle travaille comme secrétaire au lycée Voltaire. Son mari, Ahmed, est journaliste. Ils sont Libanais. Donc, ici, nous avons un texte et nous avons ici une carte ou bien une fiche. On va remplir la fiche avec les mots. Regardez, nous avons ici nom, nom et prénom. Qu'est-ce que ça veut dire, nom et prénom? Bravo, quand je dis comment tu t'appelles, donc c'est le prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah, par exemple. Je m'appelle Ahmed. Donc ça, c'est le prénom. Quand je dis quel est votre nom? Je m'appelle, par exemple, Sarah Ahmed. Donc Sarah, prénom, et Ahmed, c'est le nom de famille. Donc
Quel est le nom ici? Où est le nom? Est-ce que c'est Amel ou bien Radi? Bravo, c'est Radi. Le nom, c'est Radi. Quel est le prénom? Très bien. Donc, nous avons ici Amel. Regardez, elle s'appelle Amel Radi. Amel, c'est le prénom et Radi, c'est le nom. Âge. Nous avons ici le mot âge. Quand je dis quel âge elle a? Amel a quel âge? Regardez bien, où est l'âge? Très bien, 25 ans. C'est juste à côté. Regardez, Amel Radi a 25 ans. Maintenant, la nationalité. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire la nationalité? Kuwaitienne, française, espagnole. Donc, ce sont les nationalités. Alors, quelle est la nationalité de Amel Radi? Cherchez bien. Cherchez bien. Très bien. Donc, elle est libanaise. Regardez, où est-ce que j'ai trouvé ça? Ils sont libanais parce que elle et son mari, ils sont libanais. D'accord? Donc, la nationalité libanaise. On la met ici au féminin parce que nationalité féminin. Nationalité libanaise. Très bien. Maintenant, regardez. Nous avons ici le mot marié, célibataire, divorcé. Alors, on va choisir. On va choisir marié ou bien célibataire ou bien divorcé. Réfléchissez bien. Amel, est-ce qu'elle est mariée ou pas? Très bien, elle est mariée. Comment je sais? Parce qu'elle est écrite ici. Elle est mariée. Elle est mariée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, marié, c'est-à-dire mitzaouja, ok? Quel est le sens de célibataire? Célibataire, elle n'est pas mariée, d'accord? Divorcée. Divorcée, c'est-à-dire qu'elle est mariée et après, elle est divorcée, donc mutallaqa, ok? Mariée, célibataire, divorcée. Très bien. Maintenant, nous avons ici nombre d'enfants. Nombre d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire nombre? Bravo! Donc, combien d'enfants elle a? On va chercher. Donc, combien d'enfants Amel a? Cherchez bien. Bravo! Elle a 3 enfants. Où est-ce que je peux trouver le mot? C'est juste ici. Elle a 3 enfants. Donc, dans la fiche, on ne va pas écrire une phrase. On va écrire seulement la lettre ou bien le chiffre, le mot. Vous voyez? C'est facile. Donc, nombre d'enfants, 3 enfants. Ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ville? Par exemple, quand je dis, tu habites où? Tu habites à Cordoba, par exemple, à Farwania, à Hawali. Donc, ça, c'est la ville. Amel, elle habite où? Amel habite, très bien, elle habite à Paris. Où est-ce que je peux trouver ça? C'est juste ici. Donc, elle habite à Paris. Donc, la ville, c'est Paris. Vous connaissez le pays? Très bien, le pays, c'est la France. Ici, c'est la ville. Ils veulent ici la ville. Donc, la ville, c'est Paris, la capitale. Nous avons ensuite le mot profession. Qu'est-ce que ça veut dire profession? Très bien, donc, tu fais quoi? Je suis étudiante ou je suis étudiant. Ou je suis élève, ou bien je suis professeur. Quelle est la profession de ton père? Il est médecin, par exemple. Il est policier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire profession? Bravo. On va chercher la profession de Amel. Elle est secrétaire. Bravo. Où est-ce que je peux trouver le mot secrétaire dans le texte? Bravo. Ici. Donc, elle travaille comme secrétaire. Travail, c'est-à-dire ta'amel. Elle fait quoi? Elle est secrétaire. Ou bien on peut dire, elle travaille comme secrétaire. Quelle est la profession du mari? Donc ici, profession du mari. Qu'est-ce que ça veut dire mari? Alors, Amel, elle est mariée. Amel est mariée. Alors, son mari, c'est-à-dire zouj. Très bien. Donc, profession du mari. Elle fait quoi? Il fait, donc il travaille comme journaliste. Où est-ce qu'on peut trouver ici? Très bien. Donc son mari
Ahmed est journaliste. D'accord? Le dernier. Le dernier mot, c'est goût. Qu'est-ce que ça veut dire goût? C'est-à-dire comme goût, loisir, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez. Alors, qu'est-ce que c'est? Goût. Donc, elle aime, si elle aime quoi? Elle aime le sport et le cinéma. On va écrire seulement le mot sport et cinéma. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une fiche et on a rempli la fiche. C'est facile? Oui, c'est très facile. On continue. Nous avons maintenant une lettre. On va lire, lisez la lettre et puis répondez en mettant vrai ou faux. Regardez bien. Je vais lire. Je m'appelle Dim. J'habite à Dakar, au Sénégal. Je parle français. J'ai 16 ans. Mon père est employé à la banque et ma mère est infirmière à l'hôpital. J'ai un grand frère de 20 ans et une petite sœur de 9 ans. J'aime beaucoup le football. J'aime aussi aller à la mer avec mon père pour la pêche. J'aime avoir des amis et faire la correspondance en français. La correspondance, c'est-à-dire quoi? Le murasala. D'accord? Réfléchissez bien. On va lire la première phrase. Dim est un prénom arabe. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire prénom? Très bien, donc le prénom, l'ism. Donc, Dim est un prénom arabe. Est-ce que Dim est un prénom arabe? Non, ce n'est pas un prénom arabe. Dim. Numéro 2. Dim ne parle pas français. Dim ne parle pas français. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Regardez. Ici, elle a dit, il dit, je m'appelle Dim, j'habite à Dakar au Sénégal. Je parle français. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dim ne parle pas français. Bien sûr, c'est faux. Donc, je parle français. Numéro 3. Maintenant, numéro 3. Ses parents ont 3 enfants. Réfléchissez bien. Donc, nous avons ici, j'ai un grand frère de 20 ans, un grand frère, et une petite sœur de 9 ans. Alors, combien de personnes, combien d'enfants ici? Elle a un grand frère et une petite sœur. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Dim. Donc, j'ai un grand frère, une petite sœur et Dim. Donc, 3. La réponse est vraie. Regardez. Frère, sœur et Dim. Donc, 3 enfants. Numéro 4. Son père joue au football. Son père joue au football. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir. Alors, mon père, j'aime aussi aller à la mer avec mon père pour la pêche. J'aime avoir des amis et faire le correspondant en français. Son père, est-ce qu'il joue au football? Réfléchissez. Non. Alors, il fait quoi? Il va à la pêche. Numéro 5. Son père est directeur. Son père est directeur. On va voir. Mon père est employé à la banque et ma mère est une infirmière. Alors, est-ce que son père est directeur? Non, son père est employé. Donc, c'est faux. Son père est employé. C'est clair? Numéro 6. Dim aime écrire. Dim aime écrire. Qu'est-ce que ça veut dire aime? Très bien, elle adore écrire. Elle adore faire quoi? La correspondance. Regardez. Donc, c'est vrai. La correspondance. Le murasala. D'accord? Écrire. El kitab. Numéro 7. Il habite en France. Alors, est-ce que Dim habite en France? Regardez, je m'appelle Dim. J'habite à Dakar, au Sénégal. Donc, il habite où? Au Sénégal. Donc, la réponse est fausse. Donc, ce n'est pas vrai. C'est faux. Numéro 8.
Voilà. Sa mère travaille à l'hôpital. Sa mère travaille à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Cherchez bien. On a dit, mon père est employé à la banque et ma mère est infirmière à l'hôpital. Donc, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà le mot hôpital, infirmière. D'accord. Nous avons ici un autre type de question. On va lire ensemble. Lisez les trois textes, puis complétez le tableau. Regardez. Ici, texte 1. Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai 16 ans. J'habite à Lyon. J'aime bien aller au cinéma et écouter de la musique. Je fais beaucoup de sport, du basket et du tennis. Document B. Salut, je suis Julien. J'habite à Paris. J'ai trois frères. J'aime bien regarder la télé et lire des livres. J'ai 15 ans. J'aime la correspondance avec des jeunes de mon âge. Donc, j'aime la correspondance, liya al-murasala. J'aime la correspondance avec des jeunes de mon âge. Numéro 3. Bonjour, je m'appelle Nadine. J'ai 16 ans. J'aime la musique classique et le cinéma. J'habite avec ma famille à Nice. J'aime aussi les voyages et la lecture. Je dessine très bien. Donc, ici, nous avons trois textes. Regardez la question. On va remplir qui aime quoi. C'est-à-dire, nous avons ici trois noms, Julie, Julien et Nadine. Donc, nous avons trois personnes. Et on va cocher la réponse correcte. Par exemple, qui aime le cinéma? Qui aime le voyage? Ou bien, Julie, elle aime quoi exactement? Regardez, Julie. Je m'appelle Julie, j'ai 16 ans, j'habite à Lyon. J'aime bien aller au cinéma et écouter de la musique. Je fais beaucoup de sport, de basket et de tennis. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Très bien, elle aime le cinéma. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle aime? Donc, le cinéma, la musique, parce qu'elle aime écouter de la musique. Qu'est-ce qu'elle aime aussi? Le sport, très bien, parce qu'elle fait du basket et du tennis. Vous voyez? Maintenant, Julien. On va voir Julien. Salut, je suis Julien, j'habite à Paris, j'ai trois frères. J'aime bien regarder la télé et lire des livres. J'ai 15 ans. J'aime la correspondance avec des jeunes de mon âge. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, Julien? Qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il aime le cinéma? Non. Est-ce qu'il aime le voyage? Non. La lecture, qu'est-ce que ça veut dire lecture? Lecture, c'est-à-dire lire. Yaqra, ok? Est-ce qu'il aime la lecture? Non. On va voir. Oui, voilà, la lecture. Donc, la lecture, c'est-à-dire j'aime bien regarder les télés et lire des livres, c'est-à-dire lire, lecture. Donc, lire, c'est le verbe, le fa'l, lecture, le nom, l'ism. Donc, lire et lecture. Dessin. Alors, regardez le dessin, lire les livres, pardon. Et puis, qu'est-ce qu'il aime aussi? Il aime la télévision. Regardez la télé. La télé, une abréviation, ikhtisar, la télévision, ok? Télévision, télé, c'est la même chose, nafs chey. Maintenant, on va lire Nadine. Bonjour, je m'appelle Nadine. J'ai 17 ans. J'aime la musique classique et le cinéma. J'habite avec ma famille à Nice. J'aime aussi les voyages et la lecture. Je dessine très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, Nadine? Elle aime le cinéma. Regardez, cinéma. Donc, elle aime le cinéma. Qu'est-ce qu'elle aime aussi? Elle aime le voyage, d'accord? Parce qu'elle voyage. Ici, j'aime aussi les voyages et la lecture. Voyage. Lecture. Qu'est-ce que ça veut dire lecture? Très bien. Yaqra, lecture, القراءة. Et qu'est-ce qu'elle aime aussi?
Le dessin. Donc, elle dessine. Dessine, ou le verbe, le fait, dessiner. Le dessin, c'est-à-dire le rasem. Bien. Est-ce qu'elle aime la musique? Oui, parce qu'elle dit « j'aime la musique classique ». Donc, elle aime la musique. Donc, Nadine aime la musique. Voilà, nous avons terminé la première partie de révision. Maintenant, on va faire une petite pause et on revient. Voilà, on revient encore une fois avec la révision. Maintenant, on va continuer notre question. Écrivez les nombres suivants en lettres. Alors, c'est facile, ne vous inquiétez pas, regardez avec moi. C'est quel nombre? Très bien, c'est 8. Ça s'écrit comment? Écrivez 8. Comment ça s'écrit? Très bien, 8. Bravo. Regardez maintenant, numéro. C'est quel nombre? 12. Très bien. Écrivez le nombre 12. Bravo. 12. Très bien. Maintenant, nous avons numéro 5. Écrivez numéro 5. Très bien. 5. Bravo. Maintenant, c'est quel nombre? 21. Attention. Regardez ça, comment ça s'écrit. 20 et 1. 21. 20 et 1. C'est quel nombre? Bravo, c'est 9. 9. Donc, il faut réviser bien les nombres. Comment ça s'écrit? Regardez ici. C'est quel nombre? 17. Bravo, 17. Comment ça s'écrit? 10, 7. Donc, 10 et 7, 17. Bravo. On va faire le contraire. Écrivez en chiffres les numéros de téléphone suivants. Alors ici, nous avons un numéro de téléphone et on va noter. Essayez de faire cet exercice avec moi. 09. Écrivez. 09, bravo. 28. Écrivez. Bravo, 28. 05. Très bien, 05. 12. Écrivez. Bravo, 12. 17. Très bien, 17. Donc, on peut lire le numéro de téléphone. 09, 28, 05, 12, 17. On va faire encore une fois. 06. Très bien. 19. Bravo. 07. Très bien, c'est facile. 14. 14. Bravo. 22. 22. Regardez ici, 22, on n'écrit pas 20 et 2, on écrit 22. Bravo. Donc, on va lire maintenant le numéro de téléphone. 06, 19, 07, 14, 22. Bravo. Maintenant, regardez cet exercice. Classez les mots suivants dans le tableau. Nous avons équitation, écoutez bien, écrivain, frère, musicien, mère, janvier, jeudi, peintre, sœur, vendredi, avril, judo, dimanche, et nous avons un tableau à remplir. Donc, on va classer les mots dans les catégories. Par exemple, ici, nous avons la famille. On va chercher les mots de la famille. Profession. On va chercher les mots des professions. Les mois. Les mois et loisirs et les jours. Par exemple, équitation. Qu'est-ce que ça veut dire, équitation? Est-ce que c'est famille? Non, c'est loisir. Très bien. Loisir. Donc, voilà, équitation. Écrivain. Écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire écrivain? Écoutez bien. Écrire. Écrire. Écrivain. C'est quoi?
كاتب، très bien. كاتب، écrivain. Donc ça c'est profession. Profession. Voilà. Frère. Frère, c'est facile. C'est la famille. Donc frère. Musicien. Musicien. Qu'est-ce que c'est? C'est très bien, musicien. Donc c'est profession. Musicien, la musique. Donc musicien, musiri. Très bien, musicien. Mère. C'est très facile. Frère, mère, père, sœur. Donc la famille. Janvier. Où est-ce qu'on peut classer le mot janvier? Mais bravo, c'est un mois. Le mois de l'année, janvier. Jeudi. Jeudi. Très bien, ça c'est le nombre de jours. OK, jeudi. Peintre. Peintre. Qu'est-ce que c'est peintre? Regardez. Peintre, rassam, il dessine. Donc, un peintre. C'est une profession. Donc, sœur. Sœur. C'est facile. Famille. Très bien. Maintenant, nous avons ici vendredi. Très bien, c'est le jour vendredi. Avril. Très bien, ça c'est un mois de l'année, donc les mois. Avril. Judo. Judo, c'est un sport, le judo. Alors, qu'est-ce que c'est? Loisir. Qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple? J'aime le judo. J'aime faire du judo. Dimanche. Ça c'est un jour aussi. Dimanche. C'est très facile, vous voyez? On va continuer. Maintenant, faites des phrases sur les images selon le modèle. Par exemple, ici nous avons un docteur. On va faire une phrase. Donc, il est docteur. C'est une phrase. Il est docteur. Regardez les autres images. Observez bien. Cette image, voilà. Maintenant, on va commenter. On va écrire une phrase sur l'image. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Très bien. Elle est coiffeuse. Alors, une profession. Coiffeuse, donc docteur, profession. Wadifa, d'accord? Docteur, coiffeuse. Regardez l'image suivante. Il est architecte. Il est architecte. Très bien. Regardez l'image. Il est chef de cuisine. Il est chef de cuisine. Il est directeur. Donc, quand vous faites des phrases, faites attention. Si c'est masculin, on dit il. Si c'est féminin, on dit elle. D'accord? Avec le verbe être. Donc, elle est, il est, avec la profession. Voilà, nous avons maintenant un autre type de question complétée avec le, la, elle apostrophe, les. Numéro 1. Français parle très vite. Attention, français, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Regardez le verbe parle. Ça s'écrit comment? Avec ENT. Donc français parle. Donc c'est pluriel. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le ou les? Bravo, on va mettre les Français. Les Français parlent très vite parce que parle avec ENT, donc pluriel. Numéro 2. J'aime beaucoup enfants. Regardez, enfants, ça commence avec une voyelle. Mais est-ce que c'est singulier ou pluriel? Bravo, c'est pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a le S. Donc, on va mettre les. Les enfants, parce qu'il y a le S. Numéro 3. J'écris sur tableau. Tableau, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Bravo, c'est singulier. Maintenant, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Très bien, qu'est-ce qu'on va mettre? Le. Donc, j'écris sur le tableau. Numéro 4. Hôtel est complet. Regardez le mot hôtel. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le H qui est muet. Donc c'est comme le voyelle ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien, le H. Avec le H, on va mettre
Le-t-elle, elle apostrophe, le-t-elle est complet. Numéro 5. Famille de Nasser est nombreuse. Regardez le mot famille et le mot nombreuse. Donc, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Il n'y a pas le S, donc c'est singulier. Qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien, on va mettre la famille de Nasser est nombreuse. C'est féminin, nombreuse. Numéro 6. Le matin, je lis journal. Journal, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Singulier et c'est masculin. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je lis le journal. Je lis le journal. Maintenant, regardez, on va trouver le mot insolite. Ça, c'est facile. Regardez bien. Piano, violon, crayon, guitare. À votre avis, quel est le mot insolite ici? C'est le mot crayon. Pourquoi? Parce que piano, violon, guitare, ce sont les instruments de musique. Mais le crayon, c'est le mot insolite. Numéro 2. Avion, juin, juillet, août. Alors, quel est le mot insolite ici? Le mot insolite, c'est l'avion. Pourquoi? Parce que juin, juillet, août, ce sont les mois de l'année. Numéro 3. 8, 9, clavier, 10. Quel est le mot insolite ici? Clavier, bravo! Parce que 8, 9, 10, ce sont les nombres. Numéro 4. Peintre. Rassam, gilna. Écrivain. Katib. Employé. Mouadaf et nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire nombreux? La famille. La famille nombreuse. Ici, nombreux. D'accord? Beaucoup. Donc, le mot insolite, c'est nombreux. Peintre, écrivain et employé, ce sont les professions. Bravo! Maintenant, on va transformer les phrases au féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est un élève allemand. Alors, on va transformer cette phrase au féminin. Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est un, alors c'est une. C'est une élève. Masculin et féminin ne changent pas. C'est la même chose. C'est une élève. Regardez la nationalité. Allemand. Qu'est-ce qu'on va mettre au féminin? Très bien. Allemande. Allemande. D'accord? Donc, c'est une élève allemande. Numéro 2. Mon lycée est petit. Mon lycée est petit. On va transformer. Classe. Classe, c'est féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Pour le mot, mon, ma. Ma classe est petit, petite. Alors, ma classe est petite. On va ajouter le E pour le féminin. Numéro 3. Le grand frère joue du violon. Le grand frère joue du violon. Alors, sœur, c'est féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Le sœur? Non, on va écrire la et grand avec le féminin. Qu'est-ce qu'on va mettre? E, on va ajouter E. Donc, la grande sœur joue guitare. Guitare, c'est féminin. Donc, on va écrire de la. Donc, la grande sœur joue de la guitare. Très bien. Maintenant, complétez avec je ou je apostrophe. Regardez, numéro 1. Habite à Marseille. Je habite ou bien j'habite. Très bien, parce qu'il y a le H qui est muet. C'est comme le voyelle, donc on va écrire j'habite à Marseille. Numéro 2. Je m'appelle ou je m'appelle? Très bien, je m'appelle Youssef. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai 20 ans, parce qu'il y a une voyelle. Et. Numéro 3. Suis anglais. Alors, je ou j'ai apostrophe? Bravo! Je suis anglais, parce qu'il n'y a pas de voyelle ici. Numéro 4. Aime la cuisine française. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien. J'aime, j'ai apostrophe, parce qu'il y a le voyelle ici. Aime.
5, je vais à Paris. Il n'y a pas de voyelle ici, donc on va mettre je. Je vais à Paris. Complétez avec il et elle. Paul est français, a 35 ans. Donc, Paul est français. Paul, c'est masculin ou féminin? Masculin. Donc, on va mettre il. Ça, c'est facile. Numéro 2. S'appelle Jean-Louis. Alors, il s'appelle ou elle s'appelle? C'est un prénom masculin. Donc, il s'appelle. Numéro 3. Est étudiante. Étudiante, il y a le E. Donc, c'est féminin. Elle est étudiante. Numéro 4. Est belge. Alors, belge, c'est masculin et féminin. Alors, regarde, s'appelle Anna. Anna, c'est féminin. Donc, elle. Elle est belge. Elle s'appelle Anna. Jean est canadien. A deux enfants. C'est masculin ou féminin? Bravo, c'est masculin. Donc, il a deux enfants. C'est clair? Maintenant, on va choisir la forme convenable. Numéro 1. Il a une voiture. Voiture est rouge. Alors, une voiture. Et voiture, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. C'est singulier et c'est féminin. Qu'est-ce qu'on va choisir? Son ou ça ou c'est? Bravo. Sa voiture. Sa voiture est rouge. Numéro 2. Ahmed va au restaurant. Restaurant, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Très bien. Donc, on va au restaurant. J'aime jouer piano. J'aime jouer piano. Piano, c'est masculin. Qu'est-ce qu'on va choisir? Très bien. Du. Donc, j'aime jouer du piano. Il a un appartement. Appartement est grand. Alors, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Et ça commence avec une voyelle. Et on va mettre « son ». Donc, il a un appartement. Son appartement est grand. Maintenant, complétez les phrases avec les verbes « aller »,« être »,« avoir »,« s'appeler ». Donc, il faut connaître la conjugaison. Comment tu… Alors, on va choisir. C'est quel verbe on va choisir? Bravo, « s'appeler ». Donc, comment tu t'appelles? La réponse, je m'appelle. Je m'appelle Ahmed. Numéro 2. Donc, ça, c'est le verbe s'appeler. Numéro 2. Vous, quel âge? Alors, pour l'âge, on va choisir le verbe avoir. Très bien. Donc, vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Donc, nous avons ici le verbe avoir. Numéro 3. Vous, ingénieur? La réponse, je, médecin. Alors, ici, regardez la question avec vous. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Vous, ingénieur. Alors, ça, c'est la profession. C'est quel verbe? Être. Donc, vous êtes ingénieur. Je suis médecin. C'est quel verbe? C'est verbe être. Observez bien ici, nous avons la question. Vous, vous êtes ingénieur? Oui, je suis. Donc, la réponse avec je. Vous êtes ingénieur avec S. وحط الإجابة هني nous sommes ingénieurs. لكن هني للإحترام pour le respect vous êtes ingénieur. Je suis médecin. Numéro 4. Vous à Paris. Non, nous à Nice. Alors qu'est-ce qu'on peut choisir? Quel verbe ici on peut choisir? Regardez, nous avons verbe aller, être, avoir, s'appeler. On peut choisir verbe aller. Très bien. Comment? Vous allez à Paris? Non, nous allons à Nice. C'est quel verbe? Verbe aller. On peut choisir un autre verbe. Très bien, le verbe être. Vous êtes à Paris? Oui, non, nous sommes à Nice. Vous voyez ici la question avec vous, ici pour le pluriel. Vous allez à Paris ou bien vous êtes à Paris? La réponse avec nous. Nahnu, ok? Nous, nous allons à Nice. Non, nous sommes à Nice. Ok? Numéro 5. Tu, heureux? Oui, je, heureux. Donc ici, nous avons pour l'adjectif. Qu'est-ce qu'on utilise pour les adjectifs? Heureux et triste, content.
Très bien, verbe être. Alors, tu es heureux? Oui, je suis heureux. Très bien, ça c'est le verbe être. C'est clair? On continue. Complétez avec un adjectif de nationalité. Nice est une ville. Alors, les adjectifs de nationalité. Nice, c'est une ville. Dans quel pays? France. Donc, Nice est une ville française. Française, parce que c'est féminin. Hein? Numéro 2. Une ville française. Numéro 2. Mercedes est une marque de voiture. Alors, Mercedes, c'est quelle marque? Très bien. Allemande, féminin. Mercedes, une marque de voiture allemande. C'est féminin. Numéro 3. Ronaldo est un joueur. Alors, quelle est la nationalité de Ronaldo? Il est brésilien. Brésilien. Donc, un joueur brésilien. Numéro 4. Shakespeare est un écrivain. Shakespeare est un écrivain. Quelle est la nationalité de Shakespeare? Très bien, il est anglais. Anglais, donc c'est masculin. Numéro 5. Ahmed Chaouki est un poète. Alors, quelle est la nationalité de Ahmed Chaouki? Très bien, il est égyptien. Donc, masculin, égyptien. Numéro 6. Al-Mubarakia est une école. Très bien, kuwaitienne. Pourquoi j'ai mis kuwaitienne au féminin? Parce qu'une école, c'est féminin. Maintenant, on va classer les expressions suivantes selon le modèle. Regardez. Avec plaisir. Non, merci. Impossible. Je veux bien. D'accord. Je suis occupée. Bonne idée. Je suis désolée, je ne peux pas. Et on va classer ces mots dans le tableau suivant. Accepter ou refuser. Alors, avec plaisir. Très bien, c'est accepter. Non, merci. C'est refuser. Impossible. C'est refuser. Je veux bien. C'est accepter. D'accord. Accepter. Très bien. Je suis occupée. C'est refuser. Très bien. Bonne idée. C'est accepter. Je suis désolée. C'est refuser. Je ne peux pas. Refuser encore. C'est facile. Maintenant pour l'interaction écrite. Complétez le dialogue suivant. Regardez ici, nous avons un dialogue et on va continuer. C'est très facile. Regardez, on va lire la réponse. Je m'appelle Majed Saleh. Quelle est la question? Très bien, c'est facile. Comment vous vous appelez, monsieur? Alors, pour le respect, vous. Comment vous vous appelez, monsieur? Vous êtes saoudien? La réponse, non. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Par exemple, je peux mettre, non, je suis kuwaitien. Regardez, la réponse c'est « J'habite à Ahmadi ». On va mettre la question « Où est-ce que vous habitez ?»« Où est-ce que vous habitez ?» Regardez la réponse « Mon père est militaire ». Militaire, c'est une profession. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme question ?« Quelle est la profession de votre père ?» Donc, toujours le respect. « Votre père ». « J'ai 20 ans ». Ici, on parle de l'âge, donc. On peut dire, tu as quel âge? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel âge avez-vous? C'est pour le respect. Quel âge avez-vous? Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Majed Saleh. Vous êtes saoudien? Non, je suis kuwaitien. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Ahmadi. Quelle est la profession de votre père? Mon père est militaire. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. C'est facile? C'est très facile. Lisez et puis répondez au message de Youssef. Salut Saleh, ça va? Je vais au chalet ce soir. Tu veux venir avec moi?
Tu aimes la pêche? On peut aller à la pêche avec mon père. J'attends ta réponse. Et si nous avons un message et on va répondre au message. Donc, attention. Salut Saleh, ça va? Donc, on va répondre le message de Youssef. Alors, on va écrire Salut Youssef. Salut Youssef. Ça va très bien. Donc, salut Saleh, ça va? Salut Youssef, ça va très bien. Donc, on va répondre aux questions. Je vais au chalet ce soir. Tu veux venir avec moi? Donc, on va répondre ici à la question. Tu veux venir avec moi? D'accord, je veux bien venir avec toi. Accepté. Donc, d'accord, je veux bien venir avec toi. Tu aimes la pêche? J'aime beaucoup la pêche à la mer. Alors, est-ce qu'il accepte ici? Il dit, c'est extra. Oui, c'est d'accord. Donc, c'est extra. Il accepte l'invitation de son ami. Merci pour l'invitation. Il dit merci pour l'invitation. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour la production écrite. Regardez. Nous avons ici une fiche personnelle. C'est le contraire. Une fiche personnelle et on va faire des phrases ou des textes. Regardez, nom, prénom, âge, nationalité, profession, situation de famille, langue parlée, goût et loisirs, adresse. Donc, ça, c'est la fiche personnelle. On va présenter Monsieur Martin. D'accord? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jean Martin. Regardez. Pour le nom, on a dit ça, c'est le nom de famille. Et le prénom, Jean. Comment on peut écrire la phrase? On va écrire Il s'appelle Jean Martin. Il s'appelle Jean Martin. Si on a utilisé le verbe s'appeler, il s'appelle Jean Martin. Pour l'âge, quel verbe on va utiliser? Regardez avec moi. Il a 38 ans. Il a 38 ans. Quel verbe? C'est le verbe avoir. Très bien. Nationalité. Quel verbe on va utiliser pour la nationalité? Il est belge, donc le verbe être. Très bien. Pour la profession, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la profession? Quel verbe? On va utiliser être aussi. Il est journaliste. Il est journaliste. Situation familiale, marié, deux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Regardez, situation, combien d'enfants? Il est marié. Donc, il est marié, verbe être. Il a deux enfants, verbe avoir. Être et avoir. C'est très important. Pour la langue parlée, nous avons anglais, espagnol. Alors, très bien, le verbe parler. Il parle anglais et espagnol. Il parle anglais et espagnol. Pour le goût et les loisirs, lecture et football. Quel verbe on peut utiliser? Très bien, on peut utiliser aimer, adorer. Donc, il aime la lecture et le football. Verbe aimer. Adresse, il habite où? Très bien, il habite à Paris. Donc, quel verbe? C'est le verbe habiter. Je vais lire. Il s'appelle Jean-Martin, il a 38 ans, il est belge, il est journaliste, il est marié. Il a deux enfants, il parle anglais et espagnol, il aime la lecture et le football, il habite à Paris. Voilà, nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé notre leçon. Au revoir et à la prochaine fois.